Salut à tous, me revoilà pour ce Wotsu de FF6. Donc oui, vous avez l'impression que ça fait pas longtemps, mais en fait ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré. C'est-à-dire 2 semaines on va dire. Enfin, pour moi c'est longtemps. Hein. Parce qu'avant j'enregistrais quasiment dès que j'ai un moment libre. D'ailleurs quand j'enregistre pas, je me fais chier. Je sais pas ce que je faisais avant. Oh putain, tout le truc qui m'a volé. Je fais pas chier, ouais. Qu'est-ce qu'il va s'acheter avec ça? Du lustrant pour les poils. On récupère tout hein, du coup. Ouais, donc je vais me faire tous les coffres. Donc on va commencer par celui-là. Un bonnet rouge. Et non pas un bonnet rouge. Putain, j'ai du mort dans la peau aujourd'hui. Alors, à quoi il sert ce bonnet rouge? Ouais. Ouais. Je sais pas hein, si c'est mieux. Hein. Ah, pour lui c'était mieux, ouais. Donc putain mais pourquoi à chaque fois je vais manger ça? Oh mais ça va putain. Bon, parce que moi je préfère les trucs qui augmentent les stats que ceux qui ont une super attaque et qui font de la merde. Hein. Donc là, ça a pas l'air très linéaire donc je connais pas du tout le chemin donc je vais faire comme je peux. Ah bah hop. One shot. Ah que ça j'ai dit one shot. Si one shot. Ah one shot. Parce que One Shot c'est aussi des mangas en un seul tome. Ah. Donc les glaçards ça paraît de la merde mais c'est génial, hein, je vous le dis. Ça absorbe la glace, donc contre le dragon de glace ça m'aurait bien été utile. Sauf que bah il est mort. Et ouais, c'est con. Malmeneur. Ils ont vraiment traduit tous les noms quoi. Bon alors là, depuis le temps que j'ai pas joué, je me rappelle, mais alors plus du tout les touches. Je touche que ses cheveux. Ouais, je vais faire que ça. Hein. À part mantra, je m'en rappelle plus. Enfin si, les premières techniques, mais pas très utile. Hein. Putain, mais pourquoi je fais ça au lieu de lancer des... Ah ça se dégueulasse, des fois il nous vole et il se casse après. Bon là, il m'a pas volé donc. Vous voyez, ça s'appelle les monzozo. Et même les animaux, ils nous volent ici, donc... on voit bien qu'ils viennent de la ville. Hein. D'ailleurs, on se fait beaucoup de fric. Je sais pas si c'est fait exprès. Oh mais... Ils sont chiants. Hein. Alors comment on fait déjà? Je tente un truc là. Non, c'est pas ça. Bon. Putain, il commence à me saouler. Hein. Bon, ça va encore être les vidéos, la vidéo faire 3/4 de combat. Désolé, c'est le cas. Hein. Alors je vais tenter ça. Je fais des blitz au pif, je suis pas sûr que ça... Ah, c'est bon, là c'était ça. J'avais fait dans l'autre sens. Ouais. Il faut faire un demi-cercle de gauche à droite, je vais faire droite à gauche en fait. C'est pour ça. Trop malade. Là. T'es un chien à moitié stupéfiant ou quoi? Trop malade. Bon. Ça on peut même peut-être. Bon, alors est-ce que ça peut servir ça? Non. En vrai ça sert à rien ce truc. Ok. Bon bah je suis monté, je me suis pris 3 combats pour rien. Ah les combats sont vraiment très chiants, enfin vous avez remarqué, c'est pas peine que je l'oublie. Alors là je peux pas laisser ça, je peux pas laisser passer ça. Non. Donc dans cette caverne il y a un des 8 dragons, ce qui m'en fera 3 plus que 5 après. Donc bien sûr je vais essayer de le battre quand même. Mais lui il est déjà plus chiant parce que c'est le dragon de terre, ouais. Non, dragon de terre on l'a déjà fait. Oh yes. Oh génial, elle a plus les hormis autant. Donc il n'y a pas niveau 4. Hein. Dragon de vent, enfin je sais plus. Enfin c'est un dragon qui a pas une faiblesse genre glace, feu ou foudre. Donc faut des sorts à la con pour le battre et voilà, c'est chiant. Je me rappelle jamais ce que c'est. Donc en fait va falloir lui inventer une faiblesse à Khadgar. Mais putain. Boras. J'espère qu'il fait pas comme l'autre qui lui envoie un sort de zone quand il crève parce que sinon ça va faire mal. Il est pas si costaud que ça en fait. Donc vous voyez c'est déjà assez fun à voir, mais à jouer quand même c'est vraiment beaucoup plus fun. Surtout Sabine, j'aime bien faire les combinaisons de touches.
fait, il fout plein de chemins qui servent à rien, quoi. Donc là, c'est là que le truc qui tue un coup serait très utile. Si ça pouvait marcher, ce serait sympa. Non, bon, ok. Ça aussi, c'est tout le temps un coup, hein, là. Et ça rate tout le temps, donc aucun intérêt. Du coup, on en revient plus à utiliser la perceuse que la tronçonneuse, enfin. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il avait des outils. Parce que, ok, par exemple, Sabine, voilà, il a des trucs parce que c'est un... Voilà, il a fait des arts martiaux, donc c'est logique. Mais qu'est-ce qu'il faut avec des outils, c'est pas un menuisier. Ou clé de foudre, ça aussi, c'est très utile. Pour absorber les attaques de foudre. Donc dragon de foudre, est-ce que je vais faire, je sais pas. Mais c'est vraiment génial, hein, parce qu'il y a des sortes de zones. Et bien nous, ça nous soigne. Ou alors, les boucliers de feu, c'est plus utile, parce qu'il y a un sort qui s'appelle Merton. Et en fait, ça fait des dégâts de feu sur tout le monde, même nous. Et si on le fait, ben, nous, ça nous soigne toute notre équipe. Et ça blesse fortement l'ennemi. Donc c'est vraiment génial, quoi. Enfin, faut pas que l'ennemi absorbe le feu, bien sûr. En fait, il est hyper linéaire, c'est donc bon. C'est pourri de trucs, mais on peut pas, les faire. Bouclier aéro, putain, il y a des... Il y a tous les éléments possibles. Donc désolé, ça va encore prendre plusieurs vidéos, à mon avis. Donc oui, qu'est-ce que je vais leur faire? Un petit... voilà, une petite dent du feu. En espérant qu'ils craignent le feu. Un petit flash. On va les prendre en photo. Ce serait fun qu'on puisse voir les photos, après on a un album photo. Et quand on fait flash, après on peut voir les photos. Non mais sérieux, ça serait vraiment génial, quoi. Enfin, je sais, ça fait un peu con au milieu du truc, mais... Le gars en pleine fin du monde, il se fait ses photos, t'sais. En portant ça, les gars. Épingle. Ah ben. Ah. Alors ça, c'est énorme, ça. Bon, vous voyez que valait mieux pas prendre le loup. Vous vous rappelez quand on avait le choix entre l'épingle doré et le mog? Mais valait mieux prendre le mog, parce que l'épingle doré, on l'a quand même, de toute façon. Alors ça, ça va être génial, quoi. Sauf que j'hésite, parce qu'elle sera moins puissante, après. Ouais, moins. Ça fait assez chier, ça. Je sais pas si le bac du héros, parce que ça augmente la puissance magique et d'attaque, je sais pas si ça augmente plus la magie que le point doré. On verra. Donc ouais, le donjon, l'environnement rappelle un peu celui où on avait combattu Vargas, sur les monts Colds, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est la même musique. Ah, yes. Donc ça, je vous préviens, ça marche pas sur les boss, hein, parce qu'on m'a posé la question en commentaire. Donc, tous les trucs qui tuent un coup ne marchent pas sur les boss, sauf la magie... comment ça s'appelle? Doom. Quand il y a un machin juste avant. Ah, voilà. Alors, un petit point de sauvegarde. Donc si je me trompe pas... il doit avoir le 8 dragon. Enfin, le 8 dragon. Un des 8 dragons. Pas loin. Attends, faudrait que je me rachète des tentes, là. Donc ouais, il y a lui un de 8 dragons. Pourquoi je dis lui dragon, ça n'a rien. Un de 8 dragons pas loin. Donc on n'est pas obligé de le combattre, bien sûr. Hop, il est là. Et là, hop, il apparaît. Donc je sais plus le dragon de quoi c'est. Donc là on peut bouger, mais bon, si c'est pour se prendre un combat, c'est con. Il suffit d'attendre, il va nous arriver dessus. Allez, viens, viens. Non, tu viens, merde. Eh oh. Ah, il passe par là. Voilà. Donc là, je vous dis, c'est pas de la terre celui-là, hein, c'est pas comme l'autre. Hein. Merde. Tac, 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 tac. Magie, est-ce qu'il y a un scan? C'est pas scan, là? Non. Starlet. Strapine. Je sais tout ce que c'est, mais... Ah, ok. C'était de la merde, en fait. Je vais tenter un petit boom rush. De toute façon, boom rush, ça marche sur tout le monde. Donc pourquoi ne pas le faire? Ouais, boom rush, c'est grand boom. Ouais. Moi, je parle encore
Voilà. Il me faudra des étoiles ninja, c'est pas trop demandé. Merde, j'en ai plus. Bon bah je crois qu'elle. Donc je sais pas quelle magie il craint, donc je vais lui faire les foot 3. Ça fait mal hein. Normalement ça coûte deux fois plus de MP, hein, je vous rappelle. On va voir si c'est déjà une faiblesse pour lui. Oui c'est une faiblesse, je confirme. Donc ouais bah ça sert à rien de lui foutre des boucles d'oreilles. Bon je lui foutre un petit perso. Donc il a l'air faible dragon, mais ne vous y fiez pas, il est bien costaud. Hein. Magie. Non, pas magie. Donc il craint la foudre comme ça, bah hop. Même c'est bizarre, il me fait pas de magie ce quoi. C'est vraiment bizarre, je vous jure qu'il fait des putains de magie devant hein, d'habitude. Et ça fait bien mal hein. Ça m'étonne. Je sais pas si c'est un bug. Tiens, je vais essayer de foutre 2 pour voir si ça fait quand même 9999. Dans ce cas, ça sert à rien du tout. Non, c'est pas... Oh putain, c'est une grosse merde. Je comprends pas, je vous jure que d'habitude, il fait des blizzards et ça nous arrache la gueule. Mais... Il a pas l'air d'avoir voulu. Alors pourquoi, j'en sais rien. Non, franchement, je vous avoue, je comprends pas. Là. Pourquoi il a fait de la merde comme ça. J'ai jamais vu ça. Je vous jure qu'il est super fort d'habitude. Bon, bah tant mieux. Je sais pas si c'est de la chance, mais il m'a fait que des attaques normales. Je trouve ça vraiment très bizarre. Je comprends vraiment pas. Hein. Ah, je vous jure qu'il est vraiment beaucoup plus simple que les deux autres que j'ai affrontés d'habitude. Enfin tant pis. Au moins vous avez vu le dragon de glace par exemple, il était bien fort. Hein. Bon l'autre je l'ai éclaté comme une merde. Parce que j'ai eu de la chance avec Edgar. Alors, on va sauvegarder, hein. Ça sera pas trop. Et on va continuer notre bonhomme de chemin. Avec tout le temps autant d'ennemis. Donc je vais essayer de faire la grotte en entier. De toute façon maintenant, ouais, là je vous dis, depuis que je suis Motion Maker, c'est la première vidéo que je fais depuis que je suis Motion Maker. Donc c'est pour vous dire à quel point vous avez les vidéos en retard par rapport à quand je les fais, quoi. Je vous dis là, je viens d'uploader la 31, ouais. Je viens d'uploader la vidéo 31. Celle-là, je sais pas la combien c'est. Je m'en rappelle plus. Mais vous voyez la différence entre les moments où je l'ai fait et les moments où je les upload. Donc pourquoi bah, j'attends que vous ayez bien vu la dernière vidéo que j'ai uploadée pour en mettre une autre. Parce que si j'en mets 15 d'un coup, bah, vous verrez pas les premières que j'ai mis. Donc voilà. C'est pour ça que je fais ça. Ouais. Parce que je n'ose pas l'ouvrir en soi. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est puissant sur les ennemis qui sont grands, voyez-vous. Parce qu'on les écrase sur leur propre poids. Donc là, je vous rappelle, on était allé chercher Sian. Hein, pour info. Donc ouais, maintenant que je suis Motion Maker, je voulais dire. Si je fais une vidéo de plus d'un minute, c'est pas un problème. Enfin, sauf que, enfin, c'est quand même un petit peu un problème, puisque, comment dire, merde, je me suis couru. ouais, ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a un petit décalage si les vidéos sont trop longues, mais je ferai pas beaucoup plus de 20 minutes. Hein. De toute façon, 20 minutes, c'est vraiment si je suis obligé, genre le donjon va se terminer, genre d'autres une petite minute, quoi. Mais je ferai jamais ça. Hein. Ah bah d'accord. Ouais. Putain, je me rappelle plus comment on fait son truc devant. Ouais. Tant pis. Qu'est-ce que je mange? En fait, ça sert un peu à rien que je fasse flash s'il les tue. Ouais, voilà. Et quand même ce que j'aime pas d'un F6, parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'il y a des persos nettement supérieurs aux autres. Alors voilà, alors je vous rappelle qu'il y avait des lettres, on a suivi un pigeon hein, qui envoyait des lettres. C'est comme ça qu'on a retrouvé, voilà.
Ah, donc c'est Sian qui avait écrit en fait à la place du petit ami de la fille pour lui faire croire voilà, que son petit ami était vivant. Donc là on va retrouver. Oui, là je viens de faire le thème de Sian, attention. Donc je vous laisse la petite scène. Je trouve que c'est assez beau hein, comme décor. Enfin un truc symétrique comme ça, ça n'existe pas, mais. Ça c'est le thème de Sian. Oh putain, le. Ce truc poétique. Donc je crois que cette phrase faut s'en rappeler d'ailleurs. Là il se sent con. Il fait genre c'est pas lui, c'est. Ce que j'adore c'est qu'il les met où les bouquets? Je préfère pas savoir. Genre les scènes d'humour. Parce que c'est de la 2D mais c'est bien fait, mais c'est. Ils arrivent à faire des trucs putain de drôles, 10 fois plus drôles que de la 3D quoi, sérieux. Les gueules et c'est. Voilà, donc en fait c'était juste pour nous faire chier, il s'est foutu bien au fond d'une caverne pour nous emmerder. Là, je me demande s'il n'y a pas une scène que j'ai jamais vue. Si on emmène Sian voir la fille. Je pense que non. Donc là, petite sauvegarde rapide. C'est fermé. Bon, bah comment on l'ouvre bordel? Pas la moindre idée, tiens. Faut peut-être prendre l'OK avec nous. Aucune idée. Ah oh, tiens. Ah ben voilà. Voilà la réponse. What the... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me rappelais pas du tout de ça. Hein. Ah là, je vous l'avoue. Hein. Manuel de mécanique et du dessin. Ça y est, même pas là. Alors là, j'avoue que j'ai rien pigé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, faudrait m'expliquer. Ça me dit rien d'ailleurs. Putain, ça y est, même pas. Manuel de mécanique et des quoi. Ouais, ça sert peut-être à un truc plus tard. Enfin, bon. Donc, ouais. Bon, ben voilà. Bah, alors, je vais vous laisser. Hein. Et donc, prochaine vidéo, on va récupérer. Un perso secret, donc le deuxième. Et il y aura une petite histoire autour de ce perso, enfin, que je vais vous raconter. Hein. Ça sera pas chiant, vous inquiétez pas, c'est juste des rumeurs, en fait, vous verrez. Et donc, à la prochaine vidéo. Salut!